revêt une médaille de reconnaissance de la nation avec trait d'Afrique du Nord, M. Germain Collier. Je suis en l'air pour rejoindre les attaquants. Thank you.
Mort pour la France. Louis XVI. Mort pour la France. Pierre Soupin. Mort pour la France. Monsieur Bourguignon. Mort pour la France. La grève Angers. Bourg Eugène. Lucivon Florent. Pilon Clément. Bourmont Georges. Rossard Marcel. Didot Georges. Louis Pierre. Chauveau Ernest. Moreau Henri. Périn Brun. Marmont Alexandre. Patito Auguste. René Émile. Cadio Léon, Robert Alphonse, Raguin Henri, Lanceau Marcel, mort pour la France. 1919. Rouge, oui. Beaufreteau, oui. Chauveau, Pierre, mort pour la France. 1939-1945. Lieutenant de Dépinay-Dominique, Coutances, oui, Barou, Lucien, Delaunay, Constant, Déchenet, Lucien, Chiné, Marseille, Roger, Robert, Saillant, oui, mort pour la France. Dépôt de germes par M. le maire, les anciens combattants et Sophie Lowe. Thank you.
90e année, 90 ans, 19 ans ont passé depuis cette fin de matinée. Où ce 11 novembre 1918, à 11h, sur le front, le clairon surgit pour sonner les cessez-le-feu. Un conflit de 4 ans et demi s'achevait alors. Si l'avant et l'arrière communient dans la fierté nationale, c'est aussi le temps du deuil qui commence face aux pertes considérables, tant civiles que militaires. La grande guerre a profondément bouleversé les nations européennes, les équilibres mondiaux sont durablement modifiés. Cette année, nous célébrons plus particulièrement le centenaire de 1917. Après 3 ans de conflit, c'est l'année de la fatigue de paix, mais aussi le tournant de la guerre. Pour le temps long, elle s'avère déterminante pour le 20e siècle. Ses conséquences se font encore sentir aujourd'hui. D'avril à octobre, le chemin minable a rendu son terrible verdict. Cet échec est sanglant pour faire que le moral du combattant est celui de l'arrière. L'armée française n'est pas seule à se sacrifier. Au prix de lourdes pertes, les Canadiens mènent l'offensive à venir, les Britanniques approchent le bal, les Italiens sont vaincus à Caporetto. Les États-Unis, avec l'islamisme, et s'engagent aux côtés de l'entente. L'arrivée progressive des soldats américains change leur rapport de force et va continuer à forger la victoire. La mondialisation du conflit s'est intensifiée. Traversée par 2 révolutions, la Russie connaît des profonds bouleversements et signe le 15 décembre un armistice avec l'Allemagne. Cette dernière va pouvoir, en 1918, concentrer toutes ses forces sur le front occidental. Victimes indirectes de la guerre, des centaines de milliers d'enfants en portent les séquelles et se retrouvent orphelins. Ils grandiront seuls ou au sein des familles incomplètes, marquées à jamais par la perte. C'est pour leur permettre de vivre dignement que l'État a créé le 27 juillet 1917 le statut de pupille de la nation. Destiné à l'origine aux orphelins de guerre, il est étendu aujourd'hui aux orphelins d'un parent tué en opération militaire extérieure ou lors d'un combat terroriste. Le 16 novembre 1917, il y a presque 100 ans, au milieu de la tempête, Georges Clemenceau est appelé à former le gouvernement. Président du Conseil des ministres de la guerre, à 76 ans, il appelle à la guerre intégrale et remobilise la nation et les armées avec l'obsession de mener la France à la victoire. En ce jour du 11 novembre, depuis la loi de 2012, nous rendons hommage à l'ensemble des morts pour la France, à ceux tombés lors de la Grande Guerre, lors de la Seconde Guerre mondiale, lors des guerres de décolonisation, et ceux tombés hier et aujourd'hui, lors de nos opérations extérieures, partout dans le monde. La nation reconnaissante en hommage est perpétue l'indispensable mémoire. Fab.
de la Chèvrerie au Monument aux Morts. Mise en place du déplacement vers la salle des fêtes. Merci. On va commencer.
Avant tout, je tiens à remercier le club de pétanque de nous accueillir dans cette salle qui résonne un petit peu. Mais sans cette salle, pour le nombre de personnes que nous sommes, on aurait rencontré peut-être des difficultés aujourd'hui pour se réunir tous. Et quelque part, ça fait partir des associations qui nous accueillent. Avec cette année, vous savez tous que tout le bouleversement avec le fouillis de Rennes, ça modifie beaucoup de cérémonies, l'intériorisation. Je crois que tout le monde est en train de s'adapter à ça. Et merci à toutes les associations. Je le disais hier soir lors de l'Assemblée générale de l'agriculture. Merci à vous tous, parce que d'avoir accepté pendant un an tous les travaux du fouillis de Rennes qui ont commencé. Courant du mois de décembre et principalement au mois de mars 2018. Bien, on va procéder maintenant comme à l'habitude. Je vais laisser le micro à Germain et puis par la suite, c'est ça. Bonjour et bienvenue à tous. Monsieur le maire, mesdames, messieurs les conseillers municipaux, les anciens combattants 1939-1945, messieurs les militaires, les anciens combattants d'Afrique du Nord, d'Algérie, Tunisie, et Coutras, qui sont là, on retient, les bavardeurs, messieurs les représentants de la gendarmerie et du peloton autoroutier, de la musique gendarmerie, c'est bien, les sapeurs-pompiers, les anciens combattants qui nous font faire de la vie, les enseignants, les enfants des écoles, les associations locales. Personne de la municipalité ayant œuvré pour l'organisation et le déroulement de la cérémonie du 11 novembre, et personne ayant préparé l'assemblée des prières de l'Église, garde à remercier pour la sonorisation. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés pour prendre hommage à nos valeureux soldats morts pour la France dans le rue de combat pour sauver notre pays. Message. En ce jour, la France commémore le 99e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918. Qui mit fin à la terrible épreuve de la Première Guerre mondiale. 52 mois de combats meurtriers, de cauchemars, de privation, de souffrance et de deuil, et ne pouvons oublier le courage, l'abnégation, l'espérance en la paix de ces générations venues du monde entier, qu'elles fussent européennes, africaines, américaines, asiatiques ou océaniennes. Souvenons-nous des souffrances endurées par ces hommes en ce printemps 1917. Épuisés par les combats meurtriers de la Somme et la terrible offensive du plateau du chemin des Dames. Souvenons-nous également de l'entrée en guerre des États-Unis en ce même printemps 1917, quand nous commémorons cette année le 100e anniversaire. La France salue avec respect et reconnaissance la participation à la victoire de ces soldats américains, dont 126 000 laissèrent leur vie sur le sol de France. En ce même souvenir, unissons tous les soldats de métropole, d'Afrique, d'Outre-mer et des pays alliés qui ont également versé leur sang pour la France, une France qui sortira terriblement meurtrie de cette guerre. 1 400 000 morts, 740 alliés, 1 million blessés et centaines de milliers de femmes et d'enfants. En ce jour de commémoration, l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre, en appel à la conscience et à la mémoire de chacun, afin que le sacrifice et l'espérance qui habitent toutes ces victimes, inspirent nos actions en faveur de la paix et de la solidarité et de la fraternité. Vive la France, vive la République. Monsieur le Président des anciens combattants, Germain Boyer, Monsieur les anciens d'AFL et Pantrago, Mesdames et Messieurs, le maire en arrière, Mesdames et Messieurs les adjoints, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, Mesdames et Messieurs les représentants de la gendarmerie avec la Gilles Rocharvet, Mesdames et Messieurs les officiers généraux, officiers et sous-officiers, Mesdames et Messieurs les représentants du Centre des Pins, leur capitaine Patrick Fortier, Mesdames et Messieurs la directrice et directeur des écoles, Mme Doucet, M. Nau et leurs collègues, Mesdames et Messieurs les présidents et présidents d'associations, Monsieur le Président de la Barre de Venette et l'ensemble des égales de l'homme et de ses chers collègues. En ce jour, nous honorons la mémoire de ceux qui sont morts pour défendre les valeurs de la France
et où nous commémorons l'armistice de la Première Guerre mondiale, nous ne pouvons nous empêcher de considérer le temps passé de 1914 à 2017. Voilà déjà 103 ans que la guerre et son cortège de malheurs, d'horreurs, et voilà 103 ans que la Grande Guerre enflammait l'Europe et le monde. Aujourd'hui, en ce jour de commémoration de la signature de l'armistice du 11 novembre 2017, nous devons nous souvenir. Aujourd'hui, il n'y a plus de témoins de cette horrible guerre et nul ne peut décemment dire, sans l'avoir vécu, la somme des souffrances du soldat de la Grande Guerre. Nul ne peut imaginer la guerre des tranchées sans l'avoir faite. Les mots sont et resteront toujours trop faibles. Après 4 années de guerre terriblement meurtrière, la signature de l'armistice est une délivrance pour toute la France. La voiture numéro 2419D de la Société de l'Agrandie aménagée en bureau à la Rotonde fut le lieu choisi pour accueillir la signature de l'armée allemande acceptant les conditions d'armistice du maréchal Foch. La liesse dans les tranchées et dans les rues gagnantes peu à peu tout le territoire. Le bilan est extrêmement lourd, des deux côtés de la frontière, mais aussi dans tous les pays concernés. Cette guerre qu'on nomma avec un vain espoir la der des derres. En réalité, la preneuse de 8 à 10 millions de vies, 1 million 9 pour l'Allemagne, 1 million 7 pour la Russie, 1 million en Autriche et Hongrie, 760 000 en Grande-Bretagne et 1 million 4 pour la France. Au-delà de ces conséquences psychologiques, sociales et démographiques, les pays sont économiquement ravagés. Ces 4 années n'ont été que des instants pour éprouver le courage de tous ces soldats qui, au péril de leur vie, ont préservé leur pays pour faire reculer l'envahisseur. Des familles entières ont parfois été blessées jusqu'au plus profond d'elles-mêmes en donnant un père, un fils à la patrie. Cette commémoration aujourd'hui est le rappel de tous ces sacrifices qui ont mutilé le cœur de nombreuses familles de notre commune. Et pensons pour l'année 1917 à nos 711 soldats morts. Les terroristes effraient nos populations par des annonces d'attentats, par des actes violents de meurtres. Nous sommes sans cesse dans l'obligation de défendre nos droits et nos libertés. L'armée est là pour nous protéger à l'extérieur comme à l'intérieur de nos frontières et nous ne devons pas négliger les menaces. Notre histoire est riche de nombreux exemples de résistance et de courage face à l'adversité. Au sein des générations actuelles, nos soldats œuvrent pour la préservation de ces valeurs et je voudrais également que nous leur rendions hommage de nous. Ils se battent pour la France, ils se battent comme nos ancêtres se sont battus pour les mêmes valeurs. Encore cette année, nous avons déploré des morts parmi eux et je voudrais associer ces familles dans le lieu de reconnaissance que nous montrons aujourd'hui. Alors demandons dans le souvenir de la guerre passée, le souvenir de l'accession à la paix, à nos jeunes afin qu'ils puissent préserver notre bien le plus précieux, liberté, égalité, fraternité et le répandre à travers le monde. Bien, merci. Je tiens à remercier nos jeunes à côté qui nous ont accompagnés et qu'ils, quand je parle de ce devoir de mémoire, qu'ils prennent bien les notes que nous avons entendues ce matin. Car quelque part, ça peut aider aussi dans la vie à réfléchir. Je tiens à vous remercier tous de votre présence et maintenant, je vous invite tous à partager le verre de la vie. Merci.